tête-à-tête de la première dame de la RDC, celle de la Chine. Il ressort de cet échange les possibilités de lancer le programme pour la santé des orphelins en Afrique et d'envoyer les étudiants en Chine dans le cadre du programme Excellencia. L'option a été levée en marge de la visite d'État du couple présidentiel congolais en Chine. Produire une quantité suffisante du maïs pour une consommation locale, c'est possible dans le Congo profond, mais seulement l'approvisionnement et l'évacuation posent problème. Des subventions pour motiver le producteur est l'une des stratégies pour booster l'économie nationale. C'est le dossier que vous allez suivre tout à l'heure, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine sur la nationale. Au lendemain de son arrivée à Beijing, en Chine, pour une visite d'État, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi du Tshilombo, s'est entretenu le jeudi 25 mai dernier avec le membre de la communauté congolaise vivant en Chine. Devant ses compatriotes congolais, le président de la République a fait un tour d'horizon de la situation qui prévaut dans le pays, tant sur le plan sécuritaire, politique et social. Entrepreneurs, expatriés, étudiants boursiers, familles résidant en Chine, tous se sont mobilisés pour ce moment d'échange avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait à ses côtés la première dame, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Moment tant attendu depuis plusieurs années par ses compatriotes qui ont choisi la Chine comme seconde patrie. Le chef de l'État a galvanisé la foule par ses paroles mobilisatrices pour faire vibrer en chacun des Congolais l'amour du pays et le sens de l'intérêt général. Aucune question taboue n'a été épargnée. Tout est en train d'être fait au niveau sécuritaire, d'une part, mais même aussi au niveau politique. C'est un modus operandi qui a milité justement à arriver à ces tensions voulues parce qu'on veut déstabiliser le Congo. On veut le déstabiliser parce qu'on ne veut pas que le Congo aille aux élections. C'est ça la vérité. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les élections... Les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier et personne ne nous empêchera de le faire. Véritable retrouvaille entre le père de la nation et ses compatriotes venus de plusieurs villes de la Chine. Parmi les sujets phares abordés, l'agression lâche et barbare dont la République démocratique du Congo est victime, œuvre de son voisin le Rwanda, et son président Paul Kagame, qui a affiché ses velléités expansionnistes. Au-delà de Jérémiade, nous voulons agir avec intelligence face à la nébuleuse M23 qui s'attaque à la population innocente et sans défense, a rassuré le président de la République. Les compatriotes congolais vivant en Chine ont profité de cette première venue du chef de l'État pour lui soumettre les difficultés auxquelles ils font face dans un pays qui ne fait surtout pas cadeau aux étrangers venus d'Afrique. Les apprenants résoudre le problème de l'Union en même temps, à en sorte que tout puisse aller de l'avant. En tant que femmes, nous sommes ici, nous ne jouissons pas, peut-être ici à l'étranger, mais quand nous sommes dans notre pays, nous ne jouissons pas des mêmes droits que les hommes. Et nous voudrons que notre diplôme, lorsque nous finissons nos études et lorsque nous cherchons de l'emploi, que nous soyons pris au même niveau que les hommes. Certes, on a parlé de l'égalité entre l'homme et la femme. On voit partout, on parle de ça, mais on ne sait pas si c'est vraiment mis en exécution ou pas. Alors, on voudrait gérer les mêmes postes, parce que moi, je pense que les postes qui sont gérés par les hommes peuvent être gérés par les femmes, et les femmes sont celles qui gèrent mieux. Le président l'a dit, il faut oser rentrer. Il ne faut pas d'abord poser la question, qu'est-ce qu'il y a que je peux faire, mais rentre avec ce que tu as. Arrive sur le terrain, tu verras qu'il y a. Il a également soutenu cela par l'exemple du projet des 145
territoire. Il y a des projets à faire. Le Congo a besoin de lui. À la première dame, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, les étudiants congolais de Chine souhaitent l'intégration des universités chinoises comme prochaine destination aux bénéficiaires de la bourse Excellencia dont elle est l'initiatrice. L'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement OPEDAD va accompagner un programme de soutien aux orphelins d'Afrique initié par la Première Dame de la Chine, Peng Liyuan, c'est son nom, a sollicité et obtenu cet appui de la vice-présidente de l'OPEDAD et Première Dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi. C'était au cours d'un entretien entre les deux personnalités à Beijing en Chine où séjournent depuis quelques jours les couples présidentiels. Naïcha Kiala. Un tête-à-tête en marche d'un autre. Les épouses Xi Jinping et Tshisekedi ont eu à la suite des discussions de leurs époux, leur instant d'échange, loin des sujets purement politiques. Après le chaleureux accueil réservé à la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, Madame Peng Liyuan a présenté à son hôte quelques méandres de l'histoire et de la culture chinoise. Les deux personnalités vont ensuite engager une longue discussion autour de l'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, dont l'objectif principal est de contribuer activement à la santé et au bien-être des femmes, des enfants et des jeunes en Afrique. Si Denise Nyakeru et Peng Liyuan se rencontrent pour la première fois, les deux First Ladies se connaissent déjà bien par action interposée. La vice-présidente de l'OPEDAD a rappelé et remercié la Première Dame de la Chine pour sa contribution à la lutte contre la COVID-19 en Afrique. En 2020, Madame Peng avait réussi à obtenir du gouvernement chinois un don de fourniture médicale pour les femmes, les enfants et jeunes d'Afrique. L'occasion était aussi pour Denise Nyakeru Tshisekedi d'inviter la première dame chinoise à la célébration à Kinshasa des 20 ans de l'OPEDAD. Invitation reçue, Madame Peng Liyuan a à son tour présenté à son hôte son prochain projet dénommé La santé des orphelins de l'Afrique. Projet qui sera lancé dans quelques jours avec la contribution des premières dames de l'OPEDAD et qui consistera à offrir une assistance complète aux orphelins d'Afrique. Avant de se quitter, la première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, a présenté à son semblable chinois le programme Excellencia avec un accent sur sa branche dite Excellencia Lwala Babora qui va offrir des bourses en Chine aux étudiants congolais dans les filières liées aux mines. Cette rencontre ouvre une nouvelle page dans les relations non seulement entre la Chine et la RDC, mais aussi et beaucoup plus entre la Chine et l'Afrique pour le bien-être des femmes, enfants et jeunes Africains. Bonne nouvelle encore une fois pour la population congolaise, une réponse à la crise alimentaire récurrente en République démocratique du Congo. Le partenariat stratégique dans lequel s'engage la RDC et la Chine va toucher le secteur agricole. Selon l'ambassadeur de la RDC basé à Beijing, les institutions de recherche chinoises vont s'ouvrir à ceux de la RDC. On écoute François Baloumouéné, interrogé par notre consoeur sur place en Chine, Françoise Bouélabouaki et Gédéon Moutombo. L'importance que cette visite a aujourd'hui, elle est vraiment historique. Elle est retombée, vous allez vivre ça, parce qu'il y a un engagement ferme de la partie chinoise de soutenir les efforts du président de la République pour mettre en place un cadre qui permettra de démarrer un développement programmé et ordonné. Ainsi que ça s'est passé ici en Chine, parce que la Chine a connu un développement fulgurant et dans tous les secteurs. Un accent particulier va être mis sur une politique agricole réelle qui sera soutenue par la Chine, qui a fait preuve des avancées technologiques et techniques importantes. Aujourd'hui, en Chine, on produit plus qu'on mange, donc il y a même un surplus qui est destiné au marché extérieur. Alors, nous sommes en train de parler avec des grands instituts de recherche qui ont accepté de signer avec notre pays, de nous aider à avoir une politique intégrale qui mettra et le monde rural et ceux qui travaillent dans l'agriculture d'arriver à un développement réel
de notre potentiel qui est énorme, en fait. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est arrivé à Goma le vendredi dernier pour apporter le réconfort du gouvernement aux sinistrés de Calais. À la tête d'une mission humanitaire mixte gouvernement-parlement, le chef du gouvernement, sur demande du chef de l'État, est allé sur place pour apporter des solutions sociales et sanitaires à la population de cette partie de la RDC victime des inondations. Rien n'a empêché le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge déterminé à palper la réalité des vies des Congolaises et Congolais frappés par la calamité naturelle à Calais, dans le sud Kivu. Nous sommes là au nord de Bukavu. Bien qu'il a dépêché une équipe de secours aussitôt informée de cette hécatombe, le chef du gouvernement a survolé les lacs Kivu bravant tous les risques pour réconforter moralement, matériellement la population sinistrée des Calais. En tout cas, l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge dans ce coin du Congo profond prouve à suffisance la place que son gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réserve à l'homme qui place au centre de tout intérêt depuis les territoires des Calais dans le sud Kivu, Patito Noro Kizunda, pour la radio-télévision nationale congolaise. Autre chose à présent, notez également que le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenue Ilanga, a échangé avec une délégation parlementaire de la Commission des affaires du Parlement belge. Les deux parties ont fait l'état des lieux du processus électoral en République démocratique du Congo. Au cours de cette entrevue qui s'est déroulée dans la salle de presse du siège de la centrale électorale, le premier vice-président de la CENI était accompagné du rapporteur, Madame Patrice Nseya Moulila. À l'issue des échanges, Madame Els Van Wouf, présidente de la Commission des affaires étrangères du Parlement belge, on a fait la restitution. Pour nous, c'est important qu'il y ait une consolidation de la démocratie et le CENI est responsable pour le processus électoral. Et on voudrait savoir, à partir de la source, quel était l'état des lieux de ce processus électoral. Et on a eu une échange très ouverte sur ce processus. Il y a quelques inquiétudes, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans l'Est, dans les trois régions. On voudrait bien, à partir de la Belgique, assister le processus démocratique. Et s'il y a un besoin, au niveau financier, au niveau d'observation, on est là, à partir de l'Union européenne, d'assister le processus électoral. Ça, c'est un autre message et on a eu une très bonne explication aussi du vice-président du CENI. Pour l'heure, la CENI s'attelle à la cascade de formation du personnel commis à l'opération de la réception et le traitement des candidatures qui débute le 25 juin 2023, conformément au calendrier publié le 26 novembre 2022. Au chapitre de l'entrepreneuriat, notez qu'après avoir été disqualifié à la finale de la compétition de pitch à la réunion annuelle sur l'investissement à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, le jeune entrepreneur congolais ne désespère pas. Il remercie par contre le gouvernement congolais pour les avoir fait participer à cette réunion afin de bénéficier des opportunités d'affaires. De retour à Kinshasa, Virgile Petit, la promotrice du projet Inc, retenu en phase finale, sollicite encore une fois la compagnie du gouvernement avec des formations appropriées pour faire face à ce genre de compétition afin de promouvoir la classe moyenne en RDC. Reportage. La réunion annuelle sur l'investissement tenue à Abu Dhabi en début de mois de mai 2023 reste une belle opportunité d'affaires pour les jeunes entrepreneurs congolais. Cette deuxième participation de ces jeunes entrepreneurs grâce à l'ANADEC a démontré à ce grand public, composé en majorité d'hommes d'affaires, l'ingéniosité congolaise dans l'écosystème entrepreneurial et ce, dans plusieurs domaines. Belle expérience pour les jeunes entrepreneurs congolais qui ont pu atteindre la phase finale de la compétition de pitch organisée par l'EIM, une compétition qui met en valeur le projet innovant et bancable. Après avoir été disqualifiée, la promotrice du projet INKI de la RDC, retenue parmi les 16 fintechs dans un lot de 132 entreprises, ne désespère pas.
Virgile Mpeti, remercie plutôt le gouvernement congolais à travers l'ANADEC pour son accompagnement. Le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est la gratitude, parce que nous étions nombreux, nous étions 132, mais il faut noter que derrière, il y a eu un travail acharné. Il y a eu une formation, un encadrement qui s'est suivi d'abord localement grâce à l'ANADEC et aussi à Ishango, qui est une start-up d'incubation. J'ai été retenue pour représenter le projet INKI en finale. Une disqualification qui, par contre, motive davantage les jeunes entrepreneurs à redoubler d'efforts. La demoiselle Virginie Petit sollicite encore une fois l'appui du gouvernement pour des formations appropriées afin de leur permettre à faire face à ce genre de compétition mondiale dans les soucis de promouvoir la classe moyenne congolaise. Je ne pensais pas y arriver parce qu'au vu des avancées technologiques mondiales et au vu de ce que mes équipes et moi-même avons fait, ça nous a donné beaucoup de force, beaucoup plus de détermination pour le futur et on espère pour mieux se développer localement en RDC. Qu'il faudrait plus développer dans des écoles des plus grandes technologies, essayer d'avoir un échange entre d'autres institutions et d'autres universités, écoles et d'autres centres de formation à l'extérieur du pays qui viennent pour un échange pour nous rendre compétitifs pour l'avenir. Il s'y est dénoté que cette participation de l'ANADEC à l'EIM avait pour objectif spécifique de rechercher les opportunités de partenariat avec les structures participantes dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat congolais et aussi conduire et coacher les PME et start-up congolaises. Les blessés victimes des incidents survenus lors de la marche de l'opposition politique ont reçu la visite de soutien et de réconfort du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans des formations médicales de Kinshasa où ils ont été admis. Depuis mercredi, le chef de l'État, vous devez le savoir, a également effectué une visite officielle de travail en République populaire de Chine. Il a eu des intenses activités à Beijing, notamment les séances de travail avec son homologue chinois et les bureaux du Parlement de la Chine, suivant la semaine du président dans cette séquence. Chinois Xi Jinping, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo effectue une visite d'État en République populaire de Chine. Le chef de l'État est arrivé en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le mercredi soir à Beijing, où il déploie d'intenses activités qui s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation de relations bilatérales pour un nouveau partenariat stratégique entre la RDC et la Chine. Le président de la République a été accueilli avec tous les honneurs sur l'esplanade du Grand Palais du Peuple de Beijing par son homologue de la République populaire de Chine. Le cérémonial d'accueil somptueux terminé, les deux chefs d'État se sont retirés pour une séance de travail bilatéral. Le président Xi Jinping a souligné sa volonté de consolider une coopération pragmatique avec la RDC. Il a félicité son homologue congolais pour son leadership national et régional afin de consolider la paix, le développement et la stabilité en Afrique et en RDC. Le président chinois a exprimé sa volonté de faire évoluer la coopération bilatérale avec plus d'opportunités entre les deux pays, faisant acheminer ses relations vers un partenariat stratégique. La Chine va débloquer une aide d'$1 million pour secourir les populations sinistrées de Calais. Le président Félix Tshisekedi a remercié son hôte pour l'accueil chaleureux du peuple et des autorités de la Chine, tout en saluant les grandes réalisations accomplies les 10 dernières années par la Chine RDC. Le chef de l'État a souhaité que les deux pays franchissent une étape nouvelle dans le partenariat qui les unit au profit de leurs peuples respectifs. La visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo à Beijing aura été marquée par la signature de plusieurs protocoles d'entente dans différents domaines, notamment de l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles, de l'échange et la coopération en matière de l'information, des coopérations dans le développement de l'économie numérique, du mémorandum d'entente sur la promotion du développement d'une croissance verte, ainsi que de l'accord de coopération entre les deux chaînes nationales, la CGTN et la RTNC. Reçu au Parlement chinois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a eu une séance de travail avec le bureau de l'Assemblée populaire de Chine.
Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'importance du renforcement du partenariat historique entre la RDC et la Chine. Il a aussi rappelé le rôle important que la Chine peut jouer en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour amener la paix en RDC, victime de l'agression du Rwanda. Conformément à la tradition diplomatique chinoise, suggérant aux hôtes de marque de s'imprégner de l'histoire du pays, le chef de l'État et la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont été conviés à la visite des sites historiques de la Chine. Le président de la République a déposé une couronne de fleurs au mausolée dédié à Mao, le fondateur de la République populaire de Chine. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au musée du Parti communiste, un édifice somptueux au sein duquel sont retracées les dates glorieuses du Parti communiste chinois, avant de visiter la cité interdite, un joyau architectural, témoignage de la profondeur historique de la civilisation chinoise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est aussi recueilli devant le monument des héros nationaux chinois. Enfin, le couple présidentiel s'est retrouvé face à la diaspora congolaise de la Chine, une rencontre patriotique entre Congolais au sein de l'ambassade de la RDC en Chine. Le président de la République a galvanisé l'assistance par ses paroles mobilisatrices pour faire vibrer en chacun des Congolais l'amour du pays et le sens de l'intérêt général. Pour mettre fin aux velléités hégémoniques du Rwanda, nous devons compter sur nous-mêmes parce que nous défendrons nos territoires avec âme, a indiqué le chef de l'État. Il a promis que les violences provoquées par le Rwanda et son supplétif, le M23, ne resteront pas impunies. À Kinshasa, en début de semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une ronde dans quelques centres hospitaliers de la capitale où il a rendu une visite de réconfort aux victimes des violences qui ont émaillé la manifestation de l'opposition politique. Dans ses formations médicales, le chef de l'État a apporté son soutien aux blessés. Roger Massassou, dit junior, l'adolescent brutalement appréhendé lors de la marche, a été le premier à recevoir la visite du père de la nation. Son état de santé était stable, a indiqué le médecin du centre hospitalier Promédis, qui a rassuré qu'il restait au blessé quelques examens avant de le libérer de l'hôpital. Âgé de 12 ans, le jeune garçon avait participé activement aux échauffourées aux côtés des manifestants avant d'être arrêté violemment par la police. Pour le président de la République, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur cet enfant malgré sa délinquance. Les agents de l'ordre, auteurs de cette brutalité, ont été interpellés. Le chef de l'État a aussi réconforté une dizaine de policiers blessés à la suite de ces incidents, ainsi que la journaliste John Joko Lisanga, qui était également hospitalisée des suites de ses blessures lors de la marche. Aucun mort n'a été déploré. L'État a pris en charge les frais d'hospitalisation de toutes les victimes. La publication de conclusions du travail de la mission d'audit externe du fichier électoral, le lancement de travaux de réhabilitation du bâtiment de la fonction publique, la plainte déposée par la RDC à la CPI contre le Rwanda et le M23, le sit-in de l'opposition devant la CENI, ce sont là les quelques actualités qui ont marqué cette semaine qui s'achève. Le résumé de toutes ces activités dans Semaine en 5 avec notre confrère Serge Melemata. Au total, 7 personnes, membres d'une même famille, ont été calcinées dans un incendie à origine inconnue sur l'avenue de la paix au quartier Imbi, en ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Ces autres maisons sont également parties en fumée. En Ituri, les forces de sécurité ont arrêté 19 miliciens du Front patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, dans la périphérie de la ville de Bunia. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a quitté Kinshasa jeudi 25 mai en partance pour Kalehe au site Kivu. Objectif, apporter le réconfort du gouvernement de la République et des réponses aux divers défis de ces territoires frappés par des inondations. C'est ce lundi 22 mai que l'équipe mixte d'experts internationaux et nationaux a rendu public les conclusions de la mission d'audit et cerne des fichiers électoraux lui assignée par la CENI, les déclarant fiables au regard d'un faisceau d'éléments auxquels elle a eu accès avant de les passer aux peines fin. Dans un autre registre,
la Commission électorale nationale indépendante a déposé auprès des vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Peter Kazadi, l'avant-projet de loi au niveau national, provincial et local. Peter Kazadi était également face à la presse ce mercredi 24 mai. Au cours de cette conférence de presse, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur s'était appesanti sur les questions d'actualité du pays, la situation sécuritaire ainsi que les enjeux politiques de l'ère. Kinshasa et Pékin, ces deux villes, se sont rapprochées davantage cette semaine dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. À Beijing, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a rencontré son homologue chinois, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine. Cette réunion a précédé la visite d'État du président de la République en Chine. Les bâtiments historiques, l'administration publique, construits depuis l'époque coloniale, fera bientôt peau neuve. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé ce vendredi les travaux de réhabilitation intégrale de cet imposant bâtiment. Agression dans l'est du pays, au nom du gouvernement de la République, depuis La Haye, aux Pays-Bas. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a déposé au bureau du procureur de la CPI une plainte contre la coalition M23 et RDF pour les crimes commis et les pillages des ressources naturelles à l'est de la République démocratique du Congo. Accusé d'avoir tué sans remords son propre frère à l'aide avec un marteau, un jeune homme a été condamné à perpétuité par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Kalamu. Pour la première fois, le drapeau de la République démocratique du Congo a été hissé au à la 76e édition du Festival des Cannes en France, et ce, grâce au récent film congolais intitulé « Augure ». Les acteurs de ces films ont été accompagnés par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembouy. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que le Congo profond est à mesure de produire une grande quantité de maïs pour une consommation locale, mais seulement la provision et l'évacuation posent problème, surtout dans les provinces les plus enclavées, à l'instar du Grand Kasaï, où les routes sont impraticables. Il faut donc des subventions pour motiver les producteurs, ce qui peut booster l'économie nationale. C'est le sens de ce dossier que nous présentent Lucie Lavie Tshisinda et Bobette Yenga. Suivant. 9 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo cultivent le maïs, un produit consommé par la majeure partie de la population congolaise. Malheureusement, l'offre ne correspond pas à la demande à cause d'une faible production. L'approvisionnement et l'évacuation du maïs vers les grands centres de consommation font face à plusieurs difficultés. Nous sommes en République démocratique du Congo, province de Olomami, territoire de Kanyama. Là où nous voyons les camions embourbés, l'état de la route tellement compliqué pour atteindre soit le Kasaï, soit le Lubumbashi, c'est un problème. Je suis vraiment triste. Nous sommes sur la nationale numéro 1, mais qu'on ne peut pas appeler nationale numéro 1 parce qu'elle est en état vraiment délabré. Et s'il y a les véhicules qui passent maintenant, c'est à cause de la saison sèche. Les petits agriculteurs locaux ne font que les productions de subsistance. Ils sollicitent l'appui du gouvernement. Si vraiment le gouvernement ne tient pas compte, en tout cas nous serons fauchés. Parce que si on veut parler de la crise en pénurie de maïs, mais s'il n'y a pas de route, c'est vraiment impossible. Le Kasaï est enclavé et ravitaillé par la SNCC principalement à partir de son entrée à partir de Lubumbashi et de l'Angola, mais vu l'état des détériorations des routes, c'est compliqué. Au-delà des mesures incitatives annoncées par le gouvernement central, il y a lieu de renforcer les capacités de production des paysans. Ça fait longtemps que nous travaillons dans ce domaine, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans l'agriculture. Nous avons vu beaucoup de choses qui nous permettent aujourd'hui de proposer des solutions efficaces au gouvernement. Nous sommes prêts à être partenaires du gouvernement. Nous sommes prêts à apporter notre expertise au gouvernement. Mais nous avons aussi besoin de l'accompagnement du gouvernement. L'aménagement des routes, des dessertes agricoles et la relance du chemin des fers pourront, avec le temps, faciliter l'approvisionnement dans plusieurs provinces du pays. Il faut dire aussi que la SNCC est en difficulté. Et la SNCC actuellement n'a pas assez de locomotives et assez de wagons pour permettre à approvisionner le Kasaï. C'est la difficulté sérieuse que nous rencontrons.
L'agriculture souffre actuellement parce qu'il faut approvisionner. Les intrants doivent venir de l'extérieur du Kassai, en dehors du Kassai. Mais il faut les acheminer. Les moyens logistiques posent problème. L'agriculture a un calendrier qu'il faut respecter. Mais les temps que mettent les approvisionnements mettent en difficulté également les producteurs. Quand vous avez des camions qui sont chargés minimum 20 tonnes, c'est difficile. Les routes sont impraticables. Le Haut-Katanga en est un exemple éloquent dans ce secteur. Jusque-là, nous avons pu subventionner 59 000 hectares répartis sur 4 ans. Et donc, c'est déjà quelque chose, mais ce n'est pas consistant pour résoudre la crise de manière totale. Et donc, il nous faut encore travailler durement. Cette année, nous tablons sur encore une couverture de 20 000 hectares. Et l'année prochaine, nous pouvons aussi encore tabler sur d'autres. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Le programme de développement local des 145 territoires peut être l'élément déclencheur pour booster le secteur agricole, gage du développement économique d'un pays. Notez aussi que le centre de dialyse de Kitambo fait peau neuve grâce à la bienfaisance d'un compatriote congolais, Jean-Claude Ndoubi, président de l'Union de Patriotes pour la Cohésion Nationale, UPSEN. Et dans la même optique, il a rendu visite aux personnes âgées, de hommes, de vieillards de Kitambo, dont sa gibecière, les vivres et non vivres. Monique Mavongo pour le détail. Dans la culture africaine, les personnes âgées constituent une source de sagesse qui influence qui nous sommes et qui nous aspirons être. Jean-Claude Ndoubi, président de l'UPCN, Union des Patriotes pour la Cohésion Nationale, l'a compris. Il a effectué une visite aux hommes des vieillards de Kitambo pour s'enquérir des conditions dans lesquelles vivent ces personnes âgées. Jean-Claude Ndoubi a apporté dans sa gibecière du sucre, du sel, de la semoule, du savon, du lait, des haricots et autres biens de première nécessité. Geste salué par les bénéficiaires de ces centres qui hébergent 23 vieillards, dont 13 femmes et 8 hommes. Et nous sommes là pour pouvoir soutenir toujours la vision du chef de l'État qui est au centre de l'humain. Donc là, nous sommes en visite dans un nombre de vieillards pour pouvoir rendre visite à nos vieils hommes et nos vieilles dames qui ont été des enfants, des jeunes, des papas, des mamans comme nous. Et aujourd'hui, ils sont en fin de vie. Nous sommes très contents de voir une association qui songe quand même aux vieillards. S'en est suivi la visite du centre de dialyse de Kitambo réhabilité sur fonds propres de l'UPCN sous la coordination de Jean-Claude Ndoubi. La délégation de l'UPCN a eu droit aux explications du fonctionnement de ces centres qui va ouvrir ses portes dans les tout prochains jours. La vision est que nous aidions tous ceux qui sont en difficulté. Nous accompagnons également ce que le chef de l'État veut, aider le peuple congolais à mieux vivre. Inculquer l'idéologie de l'UDPS, tel est le leitmotiv de ce grand parti politique. C'est dans ce sens qu'une matinée de change a été initiée à Moanda. Nous sommes là dans le Congo central. Le détail dans cet élément de reportage. Inculquer davantage l'idéologie de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS et de soutenir les actions du chef de l'État à Moanda était au rendez-vous lors de cette matinée d'échange du haut cadre du parti présidentiel. Maître Murphy Loutete avec la population de la ville côtière de Moanda, dont l'objectif est de sensibiliser la jeunesse de la province du Congo central, particulièrement celle de Moanda, et d'autre part consolider cette base en faveur de la réélection du chef de l'État aux échéances électorales à venir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde une place de choix pour le développement de la jeunesse congolaise, notamment la gratuité de l'enseignement des bases. Le président de la République a démontré sa bonne foi, il a débloqué l'argent à l'exposé de Moanda. Mais les gens de très mauvaises intentions ne veulent pas que Moanda se développe. Nous n'allons pas accepter cela. Quand ça ne nous interpelle pas, aujourd'hui, les jeunes se mobilisent de quitter Moanda pour aller vivre à Kinshasa, pour aller vivre à Angola, au Cabinda, malgré tout ce qu'ils ont comme traitement là-bas, ils préfèrent là-bas que chez eux ici. Ça doit s'arrêter. Et le président de la République, il est déterminé à rendre Moanda la ville ou le territoire le plus
viable du Congo central. Bien avant, c'est au cadre de l'UDPS, Maître Murphy Loutété s'est rendu au village Kindofula, Siamfumu et au centre hospitalier de Kitona, Ntiende, où il a posé les actes humanitaires à l'endroit de la jeunesse et aux malades pour leur prise en charge. Docteur Yanga, un gynécologue de renom, honoré à travers un ouvrage, la cérémonie du vernissage de ce livre a eu lieu dernièrement suivant. Un nouvel ouvrage vient d'enrichir nos bibliothèques congolaises. Écrivaine à l'âge de 80 ans, Julienne Esther Niemi Fulu Thomas, licenciée en sciences historiques à la faculté de lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa. Elle voudrait mettre en exergue cet ouvrage qui mérite d'être dévoré parce qu'il permet de connaître les étapes et jalons de la vie du professeur docteur Yang au service de la nation congolaise en tant qu'entrepreneur et député national, dont l'idée est de faire sortir plusieurs couples du seuil de la honte et de la stigmatisation en démontrant qu'ils ne sont pas du tout stériles et peuvent bel et bien affronter. Les prouesses réalisées dans sa lutte contre l'infertilité des couples ont fait du docteur Yang une personnalité dont la renommée a dépassé nos limites culturelles et nos frontières des nations. La cérémonie de vernissage sur la biographie du professeur Yanga a eu lieu dans la salle de banquet du Palais du Peuple devant un parterre d'invités venus de tous les horizons, bien avant les avis et les préoccupations des personnalités présentes dans la salle. L'intellectuel congolais est invité à se procurer de cet ouvrage en vue de se renseigner sur la vie, les parcours et les combats du docteur Yanga qui Diamene Yvon contre l'infertilité des couples. Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. Tête à tête de la première dame de la RDC et celle de la Chine, il ressort de cet échange les possibilités de lancer le programme pour la santé des orphelins en Afrique et d'envoyer les étudiants en Chine dans le cadre du programme Excellencia. L'option a été levée en marge de la visite d'État du couple présidentiel congolais en Chine. Produire une quantité suffisante de maïs pour une consommation locale, c'est possible dans le Congo profond, mais seulement l'approvisionnement et l'évacuation posent problème. Des subventions pour motiver les producteurs est l'une des stratégies pour booster l'économie nationale. Vous avez suivi un dossier dans ce sens dans ce journal, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Les informations continuent sur la nationale, 13h30. Je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Lucie Lavitusinda. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale en compagnie de nos programmes sur la nationale. Au revoir.